Et salut, salut à tous, c'est Lucas Certé, on se retrouve pour cet épisode 2 de Toy Story 3 sur 360, les gars. Voilà, on s'est arrêté exactement ici, moi je tourne à la suite parce que oui, je suis chaud. Et j'ai envie de jouer un peu plus à ce jeu qui, je le redécouvre là et c'est franchement, c'est rien à dire. Rien à dire, franchement jusqu'à maintenant, c'est, je kiffe totalement. Alors ici, ça nous mène où? Alors ouais, n'hésitez pas à vous abonner les gars, franchement ça serait super cool d'arriver à 600 abonnés comme ça, franchement ça serait bien. Je dis ça parce qu'on y est presque hein. Et là il nous en fallait 4 soldats, on en a déjà 2. Précédent épisode on en avait trouvé 2. Là ça fait 3 donc il nous en reste 1. Mais j'ai vu qu'il y avait des cartes, voilà des cartes par ici. Qu'on peut totalement aller chercher. Après on ira voir hein, toutes ces cartes parce qu'elles m'ont l'air quand même assez bien. Hop. Alors là, pousser. Normalement on devait venir ici avec Woody mais bon c'est pas. C'est pas obligatoire je pense. Alors qu'est-ce que je peux faire avec celui ce mec là? Ah ok je peux le chop comme ça. Lui je pense ça va être le plus compliqué. Hein. Sans se mentir. Alors avant toute chose les gars. J'ai fait exprès, c'est parce qu'il y a une carte là-bas. Et j'ai peur que en lançant ce mec maintenant, je termine la mission et que je ne puisse pas aller la récupérer après. Tu vois, c'est ça le... On est dans cette thématique-là, il y a 2 cartes même ici. Alors, comment est-ce que je peux faire pour atteindre ce bordel là-bas, en fait, tu vois. Attendez. Là déjà il y a des pièces, là on a même pas pris. Alors ici il y a des escaliers. Et ça me rappelle à niveau Oh putain ça me rappelle dans Toy Story 2 ça. Ah ouais carrément. Ah ouais putain ça je savais pas. Le mec il a glissé au calme. Si il y aurait pas une carte là-bas en haut. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Là, une carte, les gars. Faut pas me... Et merde, comment je vais faire pour la chasse? Ça, la carte spéciale, ça, en plus. Ah, il doit d'office avoir un moyen. D'office avoir un moyen pour la choper. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Merde. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, cette carte-là. Enfin, c'est... Ah non, c'est juste comme ça. Mais ouais, je suis con, putain. J'ai vu le truc de l'aération, je me suis dit non, je peux pas passer, mais en fait, non. Rien à voir. Alors, je vais juste regarder vite fait, si vous le voulez bien, s'il n'y a pas une carte en haut cachée par hasard. Je sais que je perds sûrement du temps, mais. Il faut. Il faut, parce que si on peut one-shot le niveau. Voilà, regardez. Voilà. Souvenir d'un dit dessin de Woody. Tu vois, regardez, je vous ai dit. Si on peut one-shot le niveau, récupérer toutes les cartes. En un seul coup, bah c'est tant mieux, ça nous fera moins de travail par la suite, tu vois. Alors ici, par contre, celle qui est là, les gars, je n'ai aucune idée de comment je peux l'avoir. Hein. Peut-être en lançant quelqu'un, non? Il est où, Woody? Je te suis. Viens ici, Woody. Ferme-la. On va prendre maintenant Buzz en lançant peut-être. Merci pour le taxi. Rien à voir les gars. Il ne peut pas. Alors peut-être qu'en montant ici. Bon travail. Alors les gars, je ne sais pas du tout. J'ai cherché. Il y a d'office un moyen d'y aller là-bas, mais je ne sais pas. J'ai pas envie de perdre plus de temps que ça ici. Au pire, on y reviendra. On y reviendra à un autre moment. Oh, est-ce que je vais arriver? Ouais, non, c'est bon. Hop, parfait. Voilà, 4 sur 4, c'est fini, le niveau est terminé. Donc je suis un peu fatigué, c'est parce que j'étais en cours et tout avant. C'est normal. Apporte ce téléphone dans la chambre d'Andy. On trouve Rex et on te rejoint là-bas. Oui, monsieur. Vous avez entendu? Go, go, go! Mais ça va, elles sont quand même chouettes les missions, on va pas se mentir, elles sont quand même... Ah c'est chouette, c'est pas le truc super simple où tu joues. Donc quand même un peu réfléchir. Ah ouais cette mission là par contre, je pense que c'est la plus stylée du jeu.
C'est clairement la plus stylée du jeu. Rex, t'étais censé trouver le téléphone et revenir tout de suite. Le jeu Buzz l'éclair. Nous n'y avons pas joué depuis des années. Ouais, j'ai pu atteindre le secteur Gamma. Je suis presque arrivé à la forteresse de Zorg. Allez les amis, il faut qu'on y retourne. Rex, nous savons que tu peux le vaincre, mais fais vite surtout. Alors la voix de Buzz, je pense que c'est la même que dans les films. Ou bien ils ont pris vraiment une voix identique. Parce que si je, à mon avis, je pense que c'est, voilà, une mission qui s'est rajoutée, la jeu vidéo de Buzz. Et cette mission, je pense que c'est celle qui m'avait le plus marqué. Je pense que c'est une des uniques missions que je m'en... Attends, on va regarder ici. Non, pas ça. Je pense qu'il nous manque... Il nous manque deux cartes, les gars. Il manque un villageois. Par contre, ces villageois, je les ai jamais vus. Hein. Ni dans le premier niveau... Ni dans, dans celui-là. Hein. On les cherchera à un moment donné. Je pense qu'on va one-shot aucun niveau du premier coup. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Les villageois, ouais, les villageois, je sais pas, j'ai jamais vu. Pourtant, le dernier niveau, il était quand même assez petit dans l'ensemble. C'était pas des niveaux assez, enfin assez, on va dire assez, assez grand, on va dire, enfin, mais compris. Donc voilà. Alors ce niveau-là, les gars, c'est le plus stylé. On doit tuer des ennemis et tout. C'est vraiment le niveau le plus stylé, quoi. Et ça, en fait, c'est un niveau qui. C'est une partie qui passe dans Toy Story 2, hein. C'est même pas dans Toy Story 3, mais là ils l'ont remis, je pense, tout simplement parce que c'était trop stylé, quoi. Là ils ont remis. Et je me souviens, c'était pas facile non plus. Parce qu'il y a moyen de te prendre facilement des rochers dans la gueule. Regardez. On va essayer d'en détruire le maximum. Hein. Oh merde, j'ai raté. Putain, non, je l'ai eu. Ah ouais, donc il y a des cartes cachées dans les pierres là. Putain de merde, alors ça va être chaud, hein. J'ai pris de la santé. Je sais pas à quoi ça m'a servi, mais. Elle était déjà au max, je pense. Ah ouais, je peux. Ah ouais, je peux esquiver comme ça. Très bien. Je pense que c'est vraiment. Donc, comme je disais, ça c'est une partie du jeu vidéo dans Toy Story 2. Quand Rex joue au jeu vidéo. Dans le... Aïe, merde. Et voilà. Même qu'à la fin, on doit se battre contre Zurg. Enfin, pas dans le jeu. Hein. Enfin, dans le jeu, je m'en souviens plus. Mais dans le film, en tout cas, c'est comme ça. Et je me souviens quand le jeu était sorti sur PS3, tu savais utiliser Zurg dans le Western Woody. Mais c'était une exclusivité PS3 sur la Xbox 360, il n'y avait pas ça. Ok, là on s'en sort plutôt pas mal, hein, franchement. Une deuxième carte, très bien. Il y en avait combien ici? J'ai même pas vu. Je pense qu'on avait 8. Aïe, putain, merde. Ah, Buzz! Putain de merde, on va crever. Alors je sais pas pourquoi ces trucs verts sur les pierres. A mon avis c'est le détecteur de Buzz qui détecte, on va dire, les trucs. Alors à mon avis on y est presque. J'ai eu la carte, c'est bon. Ah et là par contre ça va être chaud d'éviter tout comme ça. Parfait. Première perte du niveau. C'est relativement simple, on va pas se mentir. Même si les parties d'esquive sont quand même assez compliquées, mais je continue à pied. Parfait, quel putain. Oh putain. Des météores de partout. Bordel. 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 Ah, ici on pouvait. Regardez le jetpack. Voilà, là il déploie son petit jetpack, tu vois. Et ça c'est stylé. Ils auraient pu mettre ça dans tout le jeu. Alors je sais pas où je dois aller, hein. J'avance. J'avance éperdument, perdu dans la nature, dans l'espace, dans la galaxie. Ah putain. Alors, ça m'a l'air quand même assez linéaire, hein. T'avances et tu vois où tu dois aller directement, tu vois. Là par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, Buzz.
Buzz. Alors là, c'est là qu'on... Par contre, est-ce qu'il y a des... Merde. Je voulais voir s'il y avait des cartes, mais rien du tout. Oh putain, ça va tomber, ça. Je vais bien. J'ai l'impression que le pire est passé. Attention, nous captons un signal. Attention. Ça s'annonce mal. Wouah, c'est... Putain. Grosse météore dans la gueule. Star Command. T'as un buzz avec son Star Command, mon gars, dans le film. Dans le tout premier. Là, putain, j'ai l'impression que ces pierres, elles sont quand même assez. Pas fiables du tout, tu vois. Tu sautes dessus, t'es direct en mode. T'as chaud au cul, tu vois. Ah, là, en plus, elle se pète. Heureusement, on a le petit jetpack. Ah! Ça veut rien dire du tout, putain. Au moment où je dis heureusement, on a le petit jetpack, mon gars, je tombe comme une merde. En fait, c'est les craquelures, tu vois, qui font que... Voilà, regardez, tu vois. Des fois, les pièces s'écartent et t'es baisé. Attendez. Y a pas des trucs cachés, là? Oh, putain, je savais que c'était ça. J'ai vu le sol qui était comme ça, je me suis dit, bon, là... Il faut exploser sa mère. Alors là, c'est pareil. Alors bizarre, il n'y a pas de carte par là. Alors je me demande où est-ce qu'il y aurait des cartes alors ici dans ce niveau, tu vois. Parce que autant se fixer ces objectifs là, tu vois. Vu que dans le jeu, il n'y a rien de spécial à faire, autant. Putain, on a le laser et tout. Putain, c'était ça. C'était clairement ça. Merde, il y a des ennemis. Aïe. Bon travail. Dégage. Oh, il est stylé ce niveau. Ok, il y a des connards. Ils apparaissent comme ça, ces enfoirés. Toi, t'es morte aussi. Hop, tu dégages. Alors, si je détruis ça. Il se peut totalement, clairement, qu'il y ait des trucs, des cartes hein, en dessous ou je sais pas. Hein. Ah! Mais t'es sérieux? Ça veut rien dire du tout. Alors, RB de l'aide, me donner un conseil. Comment comptes-tu faire pour accéder à l'... Mais je savais, les gars, je dois prendre le truc là. Pas me prendre pour un con non plus, hein, quand même. Pas déconner. Alors là, putain, ça met quand même du temps à se péter hein, ce truc là. Alors ça, c'est juste une espèce de putain de bombe qui te nique ta gueule. Si tu fais le con comme moi, tu vois. Bah, c'est parti. Ok, donc je ne pouvais pas aller plus loin. Hein. On est bien d'accord. Putain de merde, c'est quand même bien fait hein, les petites. Ok. Ok. Alors ça c'est quoi en fait? On peut pas détruire cette merde. Mais à quoi ça sert alors? Ah ouais. Quand elle s'ouvre, ouais, quand elle s'ouvre, je peux les niquer. Pom 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 pom. Alors ici, c'est quoi? Le d'officier reçu, non? Parce que là, j'ai plus de plateforme, hein. J'ai plus de plateforme pour bouger, donc c'est d'office, je dois péter ça. Voilà. Clairement, 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 faut un tout petit peu réfléchir et c'est bon. Ok. Faire attention de ne pas tomber, sinon ça va être chiant. Toi, tu fermes ta gueule. Là, il y a des vies, mais on n'en a pas réellement besoin. Ça, on va défoncer. Dégage. Aïe.
Oh merde. Putain, j'ai cru que j'allais valser. Ah là, il y a une carte, regardez, vous avez vu. Il y a une carte, mais comment? Trop loin là, j'ai l'impression, non? Mais ça marche, hein. Alors peut-être que c'est ça, ça va exploser, ça va nous faire venir des plateformes pour aller chercher la carte. Je pense, j'espère que c'est ça. Hein. C'est pas du tout ça, les gars. Ce n'est pas du tout ça. Peut-être ça, hein. Putain, j'étais con, il y en a un juste à côté. Allez, 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 allez. C'est bon. Alors, je sais pas si le jeu il est long, hein. Je me rappelle vraiment pas. Mais je sais qu'il y a pas mal de trucs à faire. Ah, en fait, il fallait briser les deux trucs pour accéder à... Même pas. Je ne peux pas accéder à cette carte, les gars. C'est pas normal, hein. Merde, j'ai fait le con, je pense, en fait. J'aurais pu peut-être y accéder si j'aurais sauté à temps, tu vois. Là, je suis trop loin, c'est, on est clair et c'est évident. Ouais. C'est évidentissime. Bah, on va recommencer, hein. On va recommencer, on va recommencer. Bim! Alors, ça. Alors, je vais dans un premier temps niquer ce truc. Donc, je disais, je me rappelle pas si le jeu, en termes d'histoire, est long. Je me rappelle pas du tout si je l'avais fini assez vite, si j'avais mis du temps, si. Voilà. Mais j'ai l'impression que le jeu n'est pas très très court non plus, tu vois. Il est. Une durée de vie assez respectable, je pense. Alors là, on va se placer là. On va tirer sur cette merde. Ah, je peux rester. Mais non, mais non, mais je peux rester à pire. Oh, putain. Le mec, ça fait une heure qu'il joue au jeu, tu sais. C'est maintenant qu'il vient de voir que. C'est la carte spéciale en plus, hein. Non! C'est bon. Au moins, la carte est sauvegardée. Ah, putain. Au moins, la carte est sauvegardée, les gars. Sinon. Alors. On reste à... Putain, c'est beaucoup plus pratique. Mais non. Mais les gars, je suis une merde. Vous pouvez le dire. Vous pouvez m'insulter en commentaire. Je suis une merde. Hop. Hop. Ça, on s'en fout clairement. Si on les tue ou si on les tue pas, ça va rien changer à notre... À notre vie. Putain, mais 10 minutes pour prendre une putain de carte, quoi. C'est quand même assez... assez fou, hein. On va attendre que cette merde elle vienne. On va quand même essayer de faire les mecs qui vont trop vite parce que on risque de se faire baiser. Enfin, putain, enfin. Alors là déjà on va péter tous ces trucs là. Je sais pas à quoi ça sert mais je vais tous les péter. On sait jamais à des trucs. Alors ça c'était sûr qu'il fallait tout péter. Alors, est-ce qu'il y aura des ennemis? Ouais, ah, ça c'était sûr aussi. Mais tant mieux, s'il n'y a pas d'ennemis aussi, c'est un peu... Ouah, ça fait des putains de vagues. On va tout niquer, hein, on va tout niquer. Je vais tout faire sauter, les gars. Ah. Alors ceux-là, ils ont l'air inoffensifs, mais tu les tires dessus, mon gars, t'es baisé. Enfin, t'es baisé, après, c'est facile de les esquiver aussi, hein, mais... Alors, pom 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 pom. Y'a pas genre. C'est tout? Y'a que ça à faire? Ok. Mais. Putain, j'ai fait ça au hasard, les gars, et c'était ça en plus. Alors là, y a des monstres. Là, ils sont plusieurs. Faut quand même faire attention. De toute façon, on les nique assez facilement, hein, deux coups. On les deux HKO, calme. Regardez. Voilà, maintenant. Je dois monter là. Reboucher celui-là. Pour que le courant d'air soit plus fort, mon ami. Hop. Voilà. Encore des ennemis, très bien.
si vous voulez. Hop. Hop. Et hop. Très bien. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je pense qu'on peut traverser tranquillement dans le plus grand des calmes. Voilà. Parfait. Alors là, de nouveau, un petit... Et là, les pièces bougent, hein, les gars. Les pièces bougent ici, hein. Ça va être... Ça va pas être facile, hein. Ah! Ta mère, putain. Ta mère. Oh, il y a une carte ici. J'en ai vu qu'il y en a une autre là-bas. Par contre, celle là-bas ne bouge pas, donc tant mieux. On va attendre qu'il y ait une plateforme. De toute façon, on a vu, hein, les cartes se sauvegardent. Donc, t'es pas obligé de... Ah, putain. Donc, ça veut dire que si tu prends la carte et que tu meurs, ben, elle reste prise, tu vois, elle reste acquise. Ça, c'est cool. Alors, c'est là qu'elle était, hein. Très bien. Hop. Voilà, parfait. Alors, il n'y a pas d'autres cartes par là. Il y en avait déjà deux ici au même endroit. Je pense que c'est suffisant. Alors là, on doit aller là. Nous, c'est là-bas, hein, qu'on doit aller. Notre but ultime, c'est d'aller là-bas. Très bien. Oh, putain de ta mère! J'aime bien quand il revient en mode... Oh, on est là, mon gars. Alors, attends. Quand même un peu... Essayer de réfléchir un minimum. Là, je pense qu'on est bon. J'espère qu'il n'y avait plus de cartes ici. Non, ça va être assez chiant. Parfait. On prend les petites pièces. Alors toi, tu vas pas me faire chier, hein, qu'on soit bien clair. On va déjà défoncer ça. Alors lui, il s'est explosé tout seul. Très bien. On va exploser ça. Bim. Et ça. Alors ça, il y aura d'office des ennemis, non, je pense. On a combien de minutes de vidéo là? Pour moi, 26. Très bien. Après, pour vous, je ne sais pas. Bim. Aïe, putain, première fois que je me fais toucher par un connard de robot. Crevez tous. Hop. Putain, là, il y en a eu beaucoup, hein. Enfin, beaucoup. Il y en a eu plus que là tantôt. Bah, tant mieux, c'est stylé, regardez. Combat de laser, mon gars. Buzz l'éclair qui mitraille, vomère les rien du tout. Oh, putain, c'est un jeu d'enfant, lui, qui arrête d'insulter, putain de merde. C'est un jeu de gosse, connard. Putain, mais... Il y en a pas mal ici. Mais il y en a pas mal. Il y en a encore un. Le survivant, et bim, t'es mort. Mon. Putain, stylé. Stylé, les petites séquences de gunfight. Alors, comment? Ici, on doit tout reboucher aussi, à mon avis. Hop, on va faire un premier tour. Alors, tous les autres sont montés. Donc, du coup, pour y accéder, vous devez devoir faire tout le temps ça. Oh, merde. Putain, je suis descendu comme un con. Et je me suis fait toucher. Très bien. Bravo. Bravo. C'est excellentissime. Bim. Hop. Mais non. Putain, j'y arrive pas. Je vais essayer d'aller vers un autre. Ici. Celui-là, c'est bon. Bim. Encore deux. Celui-là, j'y arrive maintenant. Oh putain, presque. Presque. Il y a deux doigts, j'y étais pas. Hein. Et il en reste encore un. Pour faire la traversée ultime. Ok, c'est bon. Et bim, parfait. Quoi? Putain, j'ai cru que c'était Zerg, les gars. Pas aujourd'hui, Zerg. Bim, ta mère, allez, dégage. Nullissime, le mec, nullissime. Putain, pendant 2 secondes de ma vie, j'ai cru que c'était Zerg, hein, clairement. Ah ouais, toi, t'es un comme ça, toi. Tu lances des trucs. Ok. Meurs. Ah, quand même se faire les ennemis, hein. Je pense que je peux me barrer si je veux, je peux niquer le game, mais... On va quand même les niquer, ça fait quand même plaisir, tu vas regarder, bim.
Bim. Est-ce qu'il y en a encore? Non, il n'y en a plus. Il y en a plus. Hop. Il va nous emmener où, lui? Vers là-bas. Très bien. Alors, est-ce que le niveau est terminé? Je ne sais pas. Buzz l'éclair à Star Command. J'ai heurté quelque chose qui s'apparente à un mécanisme de fermeture alien. Mais ta mère, toi. Oh putain, comme dans le film, les gars. C'est trop stylé. Putain, c'est trop stylé. C'est comme dans le film. En tout cas, comme dans Toy Story 2. Très bien. Voilà, on a terminé la première partie du niveau. Je ne vais pas continuer parce que je suis déjà à 29 minutes de vidéo. C'est déjà très très bien. On continuera la deuxième partie. Ah putain, Buzz l'éclair. Qu'est-ce qu'il est stylé, ce mec. Oh putain, on brille et tout. Comme dans le film. Oh, je suis comme un gosse. Non, franchement, je suis en kiff. Enfin, je kiffe ce jeu. En tout cas, jusqu'à maintenant, les deux premiers épisodes sont très très bien passés. J'ai aimé. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à aller voir mes autres vidéos, mes autres let's play qui sont en cours, qui ont déjà été finis. C'est comme vous voulez. En tout cas, merci à tous, c'était Lucas CRT. Ciao les gens.